monde, je suis Danfield et aujourd'hui on revient sur Gord qui est maintenant disponible en version complète sur Steam. On l'a découvert ensemble, la démo elle était absolument géniale et je suis donc bien content de pouvoir retourner dessus. C'est un jeu de survie stratégie dans un univers sombre, glauque où les ténèbres qui nous entourent sont vraiment dangereuses et remplies de créatures qui peuvent nous attaquer à tout moment. Je vous propose de découvrir la campagne ensemble, on démarre du début et on va faire plusieurs épisodes. Je vous propose au minimum 3 épisodes mais plus si vous êtes intéressé. Ben vous êtes prêts? Allez, en avant. Petite intro, maintenant traduite en français, et ça c'est génial. Calanthea grew under my rule. My campaign to unite the South is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the Southern Resistance. Once we're done there, we shall take the north. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. Et on va voir pourquoi dans pas longtemps. As my steward, you will have one of them at your disposal. The tribe of the Dawn. Secure the golden route before our army arrives. My emissary Edwin will watch your progress. Fail me, and you will face a fate much worse. Rien de tel qu'un boss qui dit si tu le trates, je te tue. Quel bon employeur. Et c'est parti. Donc, une partie de cette vidéo va être ce qui a déjà été fait dans la démo. Je vais essayer de progresser rapidement pour voir le nouveau contenu. Et c'est pour cela qu'on va se lancer sur 3 épisodes. Hein. Mais bon, faut commencer du début vu que l'on doit construire notre colonie, fortifier et tout. Lui, il a pas envie d'être là. Hein. Is that meek old coward who calls himself a leader? Welcome, my lord. I am Bogdan, elder of the tribe of the Dawn. I will guide you through the Lesotian woods. But, if I may, where are your warriors? The king's forces will come when the time is right. En gros, il n'y en aura pas. Then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you'll take good care of them. We will, if they do their work. Did they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gourd. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. Mm-hmm. Très bien. Donc on commence par un petit campement et on va petit à petit progresser dans la région. Alors on va fermer ça. Est-ce que je peux pas désactiver le tuto? Il me semblait que je pouvais. Ok, on fait rapidos. My lord, please order our subjects to move. We should follow our scouts' footsteps. D'accord. Un sujet. On sélectionne un sujet. Un autre. On les sélectionne tous et on doit aller à l'est. On arrive au point de rendez-vous et on se rend compte que tout le monde est mort. Apparemment, ils ont été tués par des loups. Alors, ça aurait pu être pire, je me dis, d'autres créatures plus flippantes. Mais bon, la mort, c'est la mort. Mais un a pu fuir. Peut-être qu'il va nous rejoindre plus tard. Ça ferait peut-être un peu plus de main-d'œuvre. À savoir qu'il peut y avoir des naissances dans le jeu, ce qui va vous permettre d'augmenter la population avec les petits bébés. J'ai jamais essayé de cliquer dessus. Oh, il y avait de l'or dedans. Super, on peut pas cliquer sur le canal, non. Bon, alors, on va au nord, où il y a normalement le point marqué par les éclaireurs. C'est un bon endroit où construire, il y a du bois, un étang pour la nourriture et d'autres ressources importantes. Mais comme on a vu dans la démo, il y a probablement de l'ennemi sur le chemin. Alors on va se réunir, s'il vous plaît, voilà. Et là, on entend grogner. Et les loups qui ont attaqué nos potes, nos éclaireurs. Alors, tous sur le même, tuez-le vite. Oula. Donc vous avez bien entendu la barre rouge qui représente les points de vie. Ouh, lui tire plusieurs flèches à la fois. Il tire 3 flèches à la fois. Il se croit dans un animé ou... Ok. Là, il en a tiré qu'une, là. Il restait qu'un loup.
D'accord. Alors, il y a quelques blessures, mais c'est pas une catastrophe. Vous pouvez voir qu'il y a une flèche vers le haut, ce qui veut dire que ça se régénère. Je peux construire des bâtiments également pour les soigner. Alors, donc le point est là. Normalement, il n'y a pas d'autres ennemis. Donc, on accélère. Et on revient en vitesse normale. Alors. Ah, l'étang. C'est un endroit idéal. L'eau, roseau et autres sources. Ouais, on en a besoin de la palissade. Alors, donc là, il nous parle des ressources. On a le bois et les roseaux pour la construction. La nourriture pour survivre. Là, on a l'or pour payer nos troupes. Ça, c'est du glaise et du fer. C'est pour améliorer les bâtiments, dont les fortifications. Bon, le reste, ouais. J'ai pas dit de... Je peux pas derrière pas de tuto, hein. C'est pas grave. Alors, du coup, maintenant, on va tout de suite poser les fortifications. Il conseille cet endroit, mais je peux personnaliser un petit peu. Je vais l'agrandir, hein, ce gourde, même si ça ne peut être complètement symétrique. Alors, il y a une limite, hein, je peux pas aller à l'infini. Voilà. Même si on reste dedans, il y a une limite. Voilà, ça me fait plus d'espace pour plus de bâtiments. Voilà, je crois que je suis au max. Donc, l'entrée va être là pour les pêcheurs, la forêt est ici. Et voici toutes les conditions à remplir pour valider le gourde. Je peux pas le poser n'importe où non plus. Je peux le mettre un petit peu à côté si je le souhaite, mais il recommande juste l'endroit là, ce qui est de toute façon, je pense, le meilleur, effectivement. Je vais juste le remonter un tout petit peu. Je veux pas détruire ces arbres avec la construction de la palissade, ils vont être importants. Allez, c'est parti. Et on va s'appeler Gourd Field. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. Regardez. Fortification. Et on va en avoir besoin. On va falloir se protéger. Donc, ouais, éclairage. Parce qu'il y a des créatures dans les ténèbres qui vont nous attaquer. Et nos gars flippent à l'extérieur. Ok, il a fini de parler, ok. Ils flippent à l'extérieur, ce qui fait qu'ils peuvent déserter si on les envoie trop dans les ténèbres. Donc on a même des gars spécialisés dans le transport de torches pour justement aider ce petit peuple à... Hold on, old fool. Récupérer du courage, on va dire. Just a minor stop on our way to the cartographer. He's waiting for us with instructions on how to reach the gold. Un gars qui fait des cartes, un cartographeur, c'est un mot français, ça. Dans la région où il va falloir trouver. My lord. I promise we will move on as soon as we have fortified our current position. For now, une scierie, une hutte de cueilleur et un atelier de travail du chaume. Donc les trois bâtiments nécessaires. D'ailleurs, en mode survie, il faut construire ces bâtiments en premier. Bah d'accord, donc là c'est pas débloqué. En mode survie, vous avez tout débloqué. Faut commencer par la scierie, puis la hutte de chaume pour pouvoir ensuite débloquer la cabane de cueilleur, etc. Alors l'entrée était ici. Donc on va se poser là avec toi. Voilà. C'est parti. Donc chaque personnage a ses compétences. Donc par exemple, celui-ci est plus doué en transport de torches, en éclaireur. Ah, ok. Alors on va mettre quelqu'un dedans. Qui pourrait être pas mal. Je vais mettre pause le temps que l'on regarde. Donc en récolte, il pourrait y avoir Gaynor. Ok, on va mettre Gaynor. Voilà. Et je peux déterminer également où il va ramasser. Pour le moment, je vais laisser en automatique. Il va au plus proche, voilà. Maintenant que ça est construit, ils vont probablement débloquer. Ils m'ont pas débloqué. D'accord, faut commencer à collecter du bois. Donc on accélère. Voilà, vous allez le voir. Ils ramasseront là. J'aime bien les animations. Une nouvelle structure. L'atelier de chaume. Le chaume... On va te mettre là. Our brother needs a task. Là, je vais mettre une tour plus tard. Donc on va construire ça. Et il va aller ramasser les roseaux autour du lac. Alors pour ça. Un autre en récolte, je suppose. Toi, t'es mis en production de nourriture. Donc on va te garder pour autre chose. En fait, là, peu importe, on va mettre... On va pas chasser tout de suite, donc on va te mettre. Voilà, on va nous chercher ça. Et il bosse bien. Ça va, on a un petit stock de nourriture en survie, enfin en scénario. On démarre avec zéro de nourriture, il me semble. Ce qui n'est pas génial. Bon, avec là, on va maintenant avoir accès à un nouveau bâtiment. La hutte de cueilleur. But I am not. Sire, if I may, our people had some rations saved. D'accord. Hop. Alors.
Ça, on va le mettre proche du centre. On va te mettre là. Et tourner comme ça. Our brother has been idle for some time now. Voilà. Comme ça. Parce qu'il faut sortir par là, hein, pour aller obtenir les ressources. Donc, ils vont arriver là. Tac, tac, tac. Maintenant, c'était Anushka, hein, qui était bon en récolte. Voilà. Donc, vas-y, Anushka. Il n'y a pas de champi dans la base? Il n'y en a pas dans la base. Ok, donc il doit aller où? Anushka, ça va, il y en a à l'extérieur. Voilà, je suis passé en mode photo par erreur. Non, non, là, là, tu me fais quoi, là? Je veux pas être mode photo. Non, je suis obligé de prendre un cliché, je peux pas... Non, mais... Ah non, retour au menu principal. Non, non, retour au jeu. Mauvaise traduction, là, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Du coup... Ok, on commence à récupérer les ressources. Là-dedans, rien. Ah. Ah bah de rien pour la nourriture. Even though starvation won't make us bleed, it will weigh heavily upon our subject's mental state. If we... Insubordinance like that should be punishable by death. Feeble minds. My lord, we don't have wine here, but we do pride ourselves on making a great drinking mead. Mead, you say? That doesn't sound too bad. However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Now, une hydromellerie et une tour de reconnaissance. Yes. Ok. Ah, niveau de morale. Oui, donc, alors, au passage. Là, on voit la progression de la base, puis on construit des bâtiments, puis on en débloque de nouveau. Là, c'est le moral, ça va remonter, 2000, ça remonte là, plus ou moins, mais l'hydromellerie va faire du bien. Alors, justement, elle est où? Elle est là-dedans. Ouais, 150 de bois. Oh, elle est pas grande, on peut la mettre... on peut la glisser là. Je pense que sa position n'est pas importante. Et on a besoin... Ouh, ça c'est autre chose. Normalement, il me suffit de poser du monde là, pour qu'ils aillent boire un petit coup, et que leur morale remonte. Alors... On va te mettre dedans, et dedans. Une nouvelle structure peut être construite, la tour de reconnaissance, que l'on va poser là. J'ai gardé cet endroit pour elle. Voilà. Regardez-les. Super! Eux nous font la tour de reconnaissance. Donc c'est le bonhomme qui va se balader à l'extérieur avec une torche pour éclairer. Et éviter que ce petit monde se démoralise. All right, old man. I know that hygiene isn't your best suit. But don't your people ever wash? Yes, of course. Donc, faut un endroit où se baigner. Albalia is constructed in a way not only to provide hot water, but also make the best use of our healing herbs to. Heard that, Stuart? Un bagna. Alors, le bagna, c'est un endroit où soigner. Donc, on voit le monde qui est blessé dedans. Alors, eux, j'attends. Le bagna, ça va me coûter. S'il doit essayer d'en avancer, ça va me coûter 150 de bois. On est à 57. D'accord. Je pourrais mettre plus de monde également en cueillette, mais... J'étais au max. Est-ce que tu sors par défaut? Non. Tu vas continuer. Donc repars. Toi, tu es au max. Tu repars. Et on va mettre deux autres qui ont Scud. Et Colotvatre. Voilà. Remontez votre morale. Le bois, ok. Là, là, il est en train de couper. Tu reviens avec de la nourriture. On est à 300. Ah, ouais, il va vraiment virer tous les arbres à l'intérieur. Ok. Tac. Je vous retire. Et on envoie Anushka. Qui est notre cueilleuse. Mais ouais, parce que Anushka elle va loin. Bilav, je pense que ça a bien baissé également son moral. Alors, 99. Est-ce que je mets pas un autre qui a coupé? On va mettre un autre qui a coupé du bois parce que là ça nous ralentit en progression. Scud, tu n'as pas de boulot.
Alors, je vais quand même lui dire d'aller cueillir ici. Priorise là. Très bien. Toi. Il n'y a plus d'arbres. S'il y a un arbre dedans, on va laisser les arbres dedans. Champi. Il y en a un peu plus. Faut faire gaffe. Ah là, il y en a plus. Ok. Alors, comme ça. Parce que sinon, ils vont aller assez loin. Fais gaffe à ça. Anushka, je pense que tu peux reprendre la cueillette. Koto, machin est à côté. Bah tiens, tu vas même éclairer les deux là. Oh, ils ont baissé à nouveau. Ouh, ça a baissé vite, hein. Bania, on va te poser ici. Finalement, c'est pas mal ce système parce que ça nous empêche de construire les bâtiments dans le même axe. On est obligé de tourner un petit peu les choses pour que ça rentre, ce qui donne un côté un petit peu naturel à notre colonie ou à notre garde. Tu as coupé là, ils ont plus d'arbres à l'intérieur. Ok, ils ont plus d'arbres. Alors maintenant, vous allez vous concentrer juste à côté. Pour le moment. Voilà. Ce qui ne leur donne pas d'ordre, ils peuvent zigzaguer dans la forêt et se retrouver face à un ennemi. C'est un problème que j'ai avec le jeu parce que j'ai perdu dans mes parties test énormément de bonhommes qui sont allés n'importe où, quoi. Et quand on s'en rend compte, c'est quand ils se font attaquer, donc quand on a un pop-up et qui dit un gars, et quand tu arrives, tu vois le bonhomme qui est entouré de 15 loups et qui a 10% de ses points de vie. Donc voilà. Alors on peut les faire revivre, mais après il faut éliminer tous les ennemis. Attends, avant. On a une minute, genre, pour les faire revivre, quelque chose du genre. Okay. Du coup, ça c'est bon. Oui. Voilà. Ah ok. Je voulais pas Anushka, donc là j'ai un petit peu stressé. Et j'ai personne pour construire. Bah tiens, tu vas y aller, tu vas le faire. Construire le bagna. Anushka. Ah, tu vas là-bas. On va finir ces champis avant d'aller là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'éclaire? On progresse. Ah, ça y est. Donc là, je peux envoyer quelqu'un se faire soigner. C'est pas des ouvriers que l'on met dedans, c'est juste des bonhommes qui vont dedans pour récupérer leur point de vue. Mais là, il y a pas de... Ouh, le peuple est heureux. On est passé au niveau 4000. Grâce aux provisions, aux sujets éclairés et à la bonne santé. On est moins 1.6 car certains sont dans l'obscurité. Ah, genre Zbilav. Zbilav, il va aller boire d'hydromel dans pas longtemps parce que il arrête pas de se balader un petit peu partout. Pour le roseau, au lieu d'aller là, vous voyez. Occupe-toi de celui-ci plutôt. Il y a un bonhomme qui est juste à côté. Oui. Oh, pause. Ah, elle est là, Anushka. Ah, tu me fais peur, Anushka. Bon. Affecter un sujet. Ah, il faut quand même affecter un sujet au bagnard. Bon, bah, on va envoyer. Qui on va envoyer? On a besoin de bois. Ah, je peux même pas les envoyer. Ah, parce qu'ils sont en pleine animation. On va envoyer Anushka. Allez. On va prendre un bas. Les points de vie sont au max, mais bon, ils en veulent un, voilà. Ah, on a trouvé des traces familières. Ah, on pourrait trouver l'éclair qui a fui. Alors, Anushka, on va te renvoyer à la cueillette. Parce que ça sert à rien de te laisser là-dedans. Même je vais t'envoyer... Ah, il n'y a plus de champi. Tu en restes un peu? Non, il n'y en a plus. Bah, va choisir où tu veux. Juste du moment que c'est dans la région, dans la zone que je t'ai marqué, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. On est à combien? On est à 1800. Donc, grâce aux structures basiques avancées spéciales. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on peut construire? Ou il me bloque sur ça. Tarte funéraire. 30-30. Ça coûte pas trop cher. Donc, on va te mettre au fin fond. Ça, il n'y a pas besoin d'un accès en urgence. Bon, alors, je vais prendre Gaynor. Non, je vais prendre plutôt... Lui, on doit aller inspecter là-haut. Il y a probablement des ennemis, faut faire gaffe. Oh, je pose. On va sectionner tout le monde. Parce que ça, c'est une armée de loups. Est-ce que là, on va te laisser là-bas. On va se rejoindre là. Vite. Ok, ce petit monde, faut se réunir.
Je peux normalement leur dire de lâcher ce qu'ils ont. Je ne sais plus comment je leur dis ça. Alors, j'arrive pas à voir comment, mais c'est pas grave. On élimine le loup. Ouh, Cotovatre, t'es en vraiment mauvais état. Ça tourne. Sinon, quelqu'un d'autre va tank. Ok, ce petit monde, faut retourner à la base et on va se soigner. Cotovatre, tu vas au bain pour un regen plus rapide. Et on va mettre également Anushka. Donc deux filles. Voilà. Super. Toi. Alors j'aimerais bien qu'ils repartent, vous voyez, automatiquement à leur job. Sans que j'aie à dire quoi que ce soit. Du coup, donc là on est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on a Scud qui est là, qui retourne là-bas. Toujours coupé du bois. Je pense que je vais devoir envoyer deux bonhommes pour aller fouiller là-bas, je me dis, parce qu'un seul, c'est pas suffisant. Ah, on a une essence. Nissa est née. Alors, Nissa. Nissa, toi, tu serais pas mal en combat. Ah, tiens, je peux peut-être faire de toi. Est-ce que je peux te mettre là-dedans? Je peux pas, là, elle est trop jeune. Hein. Elle est trop jeune. Ben, on va... Est-ce que je peux la mettre à la Syrie, par contre? Non? Alors, je peux lui donner des jobs basiques, mais pas encore. Alors, Anushka. Voilà. Cotovatre, encore un petit peu. Ben, on va mettre... on va mettre Scud. Un ennemi nous attaque ? Ça. Ah ! Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Cours, 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 cours. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Vous voyez ce que je vous ai dit, hein, c'est parfois vraiment traître. Alors. Je vais te soigner. Et elle. Retourne à ta tour. Bah, je vais essayer de les tuer, oui, je vais voir si je peux les tuer. Parce que je suis sûr qu'il va tenter d'y retourner. Donc toi. Toi. Nissa, c'est quoi ton souci? Je sais pas ce que t'as comme souci. Allez-vous. Ok, donc Gaynor, tu restes là. On va essayer à 3. Est-ce que... Pourquoi j'en ai retiré un là-dedans? Ah non, je l'ai pas retiré, c'est vrai que j'ai pas pu rajouter. Ok, alors là, il y a un groupe de loups. J'espère qu'à 3 on va s'en sortir. Ils sont où? Ils sont là-bas. Allez, éliminer un loup. Tout sur le même. Ah, c'est là notre avantage sur les loups. On peut planifier nos attaques. C'est bon? Ok. Non, vous allez retourner. Alors. J'attends avant de leur donner des ordres parce que j'ai peur qu'elles ramassent là-bas le. Ils sont allés bien entendu avec Scud qui a la torche parce que sinon il y... ça les aurait fait flipper. Alors Anushka. Champi. Toi. Scud. Nissa, je sais pas trop quoi faire d'elle. Je crois que c'est. Ah, ça c'est la barre de son enfance qu'on s'est plaint. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Pas lui dire grand chose, on va attendre, on va attendre. On se code. Alors, avec Gaynor, je vais attendre que Gaynor pose ça et nous donne le bois qu'il a ramassé. Alors, on accélère. C'est bon. Ça, c'est les ressources qu'ils ont lâchées pour le combat avant. J'espère qu'à 2, ils vont pouvoir... Peut-être un chasseur serait pas mal, mais bon, j'ai pas le bâtiment pour... Ah.
C'est vraiment cool de pas avoir vous traduire les cinématiques. J'ai dû le faire dans la démo. What is he blabbering on about? I can't understand a word. He claims he was attacked by the wild folk, people of the forest. But they have never attacked us before, unless they were provoked. Clearly, they had a change of heart. He says they're walking towards the Votenga River, west of here. I fear that they may raid our gourd. Our cartographer was supposed to be west of here as well. We cannot lose him. Let's move. Parfois, il pense à quelqu'un d'autre que lui, quoique perdre le cartographe, ça peut l'impacter. Ok. Succès. Souhaitez-vous continuer la campagne, bien sûr. The wild folk used to live like wild animals, and although they can be violent. Alors, au début de chaque scénario, vous avez la possibilité de consulter les biographies de vos sujets. Alors, bon, on va garder notre équipe de gagnants, mais où sont les... Ah. Ok, on a de nouveaux gars. Une cueilleuse. Mais on a ce qu'il nous faut, hein, donc on va rester tel quel. J'ai bien Nissa, effectivement, qui continue de nous rejoindre. On est 6 sur 6. Donc, oui. Moyenne du groupe, 2 en récolte, 1 en extraction minière, 2 en combat, 2 en production de nourriture, 2 en éclaireur, et 1 en commerce. Ok. My lords, the wild folk, they've attacked our gourd. Hurry now, or there will be nothing left of our home. We're under attack. Alors, on y va. Ok. Le village est là. Donc ça va être notre nouvel abri. Ah. Allez. Ils n'ont plus beaucoup de points de vie, c'est déjà ça. On peut reculer un peu. Attaque sur le côté. Voilà les indomptés. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pas notre ancien gourd, c'est le gourd de la tribu qui nous aide. Quelque chose a changé. But now we need to focus on salvaging. Faut réparer les dégâts. Ok. Nissa, est-ce que tu peux aider à la réparation? Ouais, je crois que tu peux. Je suis pas sûr si elle peut. Non. Réparer ça. Je pense qu'on ne peut pas réparer tant que ça n'est pas remis sur pied. Oui, elle peut y aller. Là-bas. Ici. Celui-là est encore bon. Ok. Et un gros tas à retirer au centre. Super. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais on va continuer la campagne, au moins 3 épisodes. Si vous voulez en voir plus, dites-le-moi dans les commentaires. Toujours pensez au pouce bleu, ça motive énormément. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.